Bonjour, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui mon grand frère du journal Le Monde, Jacques Folloroux, qui a écrit « La guerre secrète des espions », qui paraît chez Plon ces jours-ci. Et c'est un livre qui réunit un certain nombre de ses chroniques pour Le Monde sur le monde de l'espionnage, l'espionnage en général. Quel était votre objet en écrivant ce livre ? La première idée, c'était de rappeler que… que les espions n'avaient pas disparu, qu'ils n'étaient pas morts. C'est-à-dire que, alors qu'aujourd'hui, on considère que finalement, l'affrontement Est-Ouest a disparu depuis la guerre froide, depuis la chute du mur de Berlin, que finalement, les relations entre les pays fonctionnent différemment, que bloc contre bloc, que la technologie, surtout que la révolution technologique, le numérique, l'Internet, le big data, avaient supplanté le renseignement humain, le renseignement technique avait pris le contrôle. En fait, c'était pour rappeler qu'en fait, non, que ces figures un peu mythiques de l'espion qui ont été largement évoquées dans la littérature anglaise, dans le cinéma et même un peu par les États, ces personnages-là avaient toujours un rôle à jouer. – Donc, le fait qu'aujourd'hui, les services de sécurité, de renseignement peuvent enregistrer toutes les communications sous quelque forme que ce soit, ça n'a pas fait disparaître les espions. – Non, en effet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, c'était un peu aussi la leçon à tirer de à peu près 7 ans d'enquête sur l'espionnage publiée dans Le Monde, c'était de montrer que ce fameux renseignement technique, cette toile mondiale, de collecte de données, de renseignements. Alors évidemment, Snowden nous a levé le voile sur comment font cette toile tissée par la NSA, donc l'agence technique de renseignement de surveillance donc américaine, ou même là, les Français. Toutes ces données collectées sur ces fameux câbles de fibre optique qui font circuler les informations. Toutes les connexions techniques, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le téléphone, pas simplement Internet, c'est aussi vos connexions bancaires. C'est toute forme de connexion électronique est aujourd'hui enregistrée et peut être collectée. Donc on peut tout savoir d'un individu simplement par l'historique des connexions, de ces connexions électroniques. Donc c'était pour dire qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que les États s'appuyaient que là-dessus pour défendre leurs intérêts, pour espionner leurs ennemis ou voir leurs amis ? Eh bien non, parce qu'en fait ce renseignement technique, il permet essentiellement de reconstituer les choses après que l'événement se soit produit et qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, en particulier sur le terrorisme, ce qui fait la plus-value, ce qui permet à un État d'anticiper la menace, c'est le renseignement humain, à l'ancienne finalement. Ce qu'on connaissait nous en matière policière comme l'indicateur, eh bien en matière de renseignement, en matière de terrorisme en particulier, c'est le renseignement humain, l'infiltration qui va vous donner l'avantage et l'avance nécessaire pour anticiper et empêcher un acte de terrorisme de survenir. – Alors dans votre livre, vous passez en revue plusieurs cas très importants et en même temps le fonctionnement des différents services de renseignement à l'étranger. Donc si vous deviez faire un palmarès des meilleurs services de sécurité, par qui commenceriez-vous ? – Alors si vous me permettez, je dirais que on pourrait, je répondrai à votre question évidemment, mais en reformulant en disant quel est le plus agressif ? Si vous me le permettez, et c'est vrai que ces dernières années, je pense que ça n'a échappé aussi à personne au gré de l'actualité, c'est vrai que les services russes, notamment depuis la guerre de Crimée, depuis l'affaire ukrainienne, ont montré une montée en puissance sur les actes d'intrusion, notamment en matière de cyberattaque. Je pense que tout le monde a à l'esprit les attaques menées par les renseignements russes, qui évidemment la Russie Moscou ne reconnaît pas, mais aujourd'hui les accusations sont quand même assez bien étayées pour dire que les services de renseignement russes ont soutenu des attaques visant les démocraties occidentales, à commencer par évidemment les élections américaines. On se souvient que en 2017, lors de l'élection française présidentielle en France, les comptes d'Emmanuel Macron ont été attaqués et avec une possible utilisation, une instrumentalisation à des fins purement politiques derrière. Donc les cyberattaques du renseignement russe aujourd'hui se sont multipliées, mais pas simplement. C'est pas simplement des attaques qui sont menées d'ordinateurs cachés dans des bâtiments ultra sécurisés à Moscou. Vous avez aussi ce qu'on appelle des cybercommandos,
qui ont été montés par les services secrets militaires russes, qu'on appelle le GRU, le GRU, mm-hmm. qui, faute de pouvoir des fois pénétrer dans des systèmes trop sécurisés, enfin bien protégés, notamment, je ne sais pas moi, par exemple, des laboratoires chargés d'analyser les produits chimiques utilisés par pour le dopage. Ou pour le dopage, ou en tout cas sur des secteurs considérés par Moscou comme essentiels à sa notoriété, à sa politique étrangère, etc. Eh bien, dans ces cas-là, les services secrets militaires vont envoyer des commandos à l'étranger, sur place, auprès d'institutions internationales, par exemple, et ils vont essayer de hacker, de pirater de près, en garant un véhicule, par exemple, dans le parking, mmh. juste à côté d'une institution internationale ou un laboratoire, etc., pour pouvoir pénétrer dans les systèmes, rentrer dans les mails et les ordinateurs des cadres de ces institutions pour obtenir des informations, voire détourner, voire pirater des comptes. Donc vous avez ces cybercommandos et vous avez évidemment des commandos de tueurs. Et on se souvient qu'en 2018, la tentative d'assassinat contre un de leurs anciens, Skripal, Sergei Skripal, qui était un ancien des services secrets militaires russes, le GRU, qui était un agent double, qui avait été échangé et qui avait trouvé refuge dans le sud de l'Angleterre, a fait l'objet d'une tentative d'assassinat en bonne et due forme par les services secrets militaires à l'aide d'un produit chimique, un produit neurotoxique très dangereux qui s'appelle le Novichok. Et tentative avortée. Mais on voit bien que ces gens-là se sont promenés. Et ça fait aussi l'objet d'ailleurs d'une des enquêtes qui m'a donné le plus de fil à retordre, qui était de montrer comment, ces dernières années, un commando d'une quinzaine de personnes, justement spécialement formés pour l'assassinat, le sabotage, s'étaient promenés en Europe pendant plusieurs années, et avait établi un camp, une base arrière en Haute-Savoie. Pourquoi la Haute-Savoie? Parce que c'est juste de l'autre côté de la frontière suisse, juste de l'autre côté de Genève. Genève étant un point d'entrée hors Schengen, donc avec beaucoup moins de contrôle, et donc d'essayer d'expliquer comment finalement les services secrets russes avaient multiplié leurs actes hostiles. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ce surcroît d'agressivité des services russes à l'étranger, est-ce que c'est un signe de puissance ou c'est un signe de faiblesse? Et ça, c'est une question qui reste ouverte. – Oui, justement, je voulais attirer votre attention là-dessus, vous demander votre avis, parce que, effectivement, ça peut être perçu comme un signe de faiblesse, dans la mesure où, par exemple, pour la tentative d'assassinat contre l'opposant numéro 1, Navalny, la publicité négative qui est générée par ce genre de tentative d'assassinat, c'est quand même… je veux dire, tellement difficile on ne peut pas l'éviter. Donc pourquoi se livrer à de tels assassinats contre l'ancien homme du KGB, Skripal? Qu'est-ce que ça pouvait bien faire à Poutine de le laisser tranquillement dans sa retraite, je veux dire. Alors c'est un signe de faiblesse, c'est sûr, dès lors que la Russie prétendrait être une nation comme les autres, ouais. tout à fait recommandable, respectant les règles, en gros, de la communauté internationale. Ça, c'est clairement, le but n'est pas atteint. En revanche, si Vladimir Poutine n'a cure de cette reconnaissance internationale, finalement assume le fait que son pays soit un État voyou, que son pouvoir personnel soit la seule règle qui vaille, et donc ses desiderata. Dans ces cas-là, la publicité donnée à la tentative d'assassinat contre un ancien agent du KGB ou du GRU à Moscou, ou les cyberattaques, etc., peut à certains égards servir son image d'homme redouté, de crainte que la Russie peut inspirer. Ouais. – Alors vous dites numéro un pour l'agressivité, si j'ai bien compris, pour le service soviétique. – Alors les services russes, ça c'est sûr, même si il faut bien garder à l'esprit, et c'est ça qui est très intéressant avec l'espionnage, c'est-à-dire que c'est tout sauf manichéen, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'entendez pas parler d'un service qu'il n'est pas efficace. Mmh. Ce n'est pas parce que deux pays semblent extrêmement proches, amis, alliés, qu'ils ne s'espionnent pas, qu'ils ne se subtilisent pas des informations très importantes pour l'intérêt national, domestique, pour son économie, pour tout ça. C'est très intéressant parce qu'après, l'allié d'un jour peut être l'ennemi du lendemain et réciproquement. On parlait de la Russie à l'instant. C'était intéressant de voir comment
les principales puissances, les principales démocraties occidentales ont réagi à cette attaque quasi ouverte et chimique sur un sol étranger, perpétrée par les services secrets d'un État, la Russie. Eh bien, les États-Unis et la Grande-Bretagne, ainsi que les Pays-Bas, je crois, et l'Allemagne, l'Autriche, ont réagi très, 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 très durement, avec le renvoi d'un très grand nombre de diplomates ou faux diplomates russes, qui étaient en fait des agents, des espions agissant sous couverture. En revanche, la France n'en a expulsé que quatre. Et pourquoi ? Et c'est là où ça touche à des réactions, on touche à cette complexité, justement, comment on gère la relation, comment les pays, finalement, gèrent leurs relations malgré des actes hostiles. Eh bien, du côté français, on considère qu'il est plus utile pour défendre les intérêts de la nation, de la France, de conserver un dialogue avec Moscou que de couper brutalement et d'avoir un discours extrêmement agressif en retour. Ce qui a valu, finalement, aussi une réaction de Londres vis-à-vis de Paris en disant, mais on ne comprend pas votre réaction. Pourquoi est-ce que vous ne vous alignez pas sur la virulence de notre réponse vis-à-vis de Moscou? Et puis après, quand on parle de façon informelle, il y a même ce reproche en disant mais est-ce que la France soignerait ses relations avec Moscou pour éviter d'être visée, pour éviter tout acte assassinat ou sabotage sur son propre territoire? Donc chacun, en gros, joue sa propre défend ses propres intérêts et c'est intéressant de voir voilà pourquoi, parce que la France elle a aussi un intérêt à dialoguer avec Moscou parce que ça lui permet d'avoir des renseignements via par exemple sur la guerre en Syrie. Eh bien la France ne dispose de très peu de canaux. En revanche, via Moscou dont on connaît la proximité avec le régime syrien, ça permet à Paris, aux services de sécurité français, d'obtenir des informations sur des citoyens français. Des terroristes potentiels qui sont sur le territoire syrien, qui sont dans les geôles de Bachar el-Assad. Ça permet d'avoir des informations sur les Tchétchènes, etc. En matière de terrorisme, vous voyez. Donc là, ça fait du troc en permanence. Et alors vous parlez d'agressivité, mais justement de la Syrie, on peut passer à Israël. Et vous signalez bien dans votre ouvrage que les services israéliens, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont éliminé 2700, dites-vous, adversaires politiques et militaires d'ailleurs. Alors Israël est vraiment l'un des précurseurs d'une politique structurée sur le long terme, etc., d'assassinats ciblés, perpétrés par ses services. Tout le monde connaît l'histoire d'Israël. C'est un pays qui, à mains égards, se considère comme toujours en guerre et s'exonère d'un grand nombre de règles. Dieu sait s'il y en a peu dans le monde de l'espionnage, mais Israël s'en exonère très largement et l'assume. Par ailleurs, elle consacre des moyens tout à fait considérables et proportionnellement beaucoup plus importants, par exemple, que des pays comme la France ou d'autres pays sur, justement, l'activité d'espionnage. Les moyens qui sont alloués à ces services, en matière technique en particulier, font des services israéliens, des services très, 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 très efficaces. Ils ont une particularité, notamment en matière de lutte contre la prolifération. C'est le temps pris pour monter les opérations. Et il est assez étonnant de voir que il y a certaines opérations montées par les services, par le Mossad, remontent à les premiers contacts, par exemple, créer une société en Afrique à des fins philanthropiques. Ils vont monter. Il y aura, j'ai le cas par exemple justement sur la lutte, toujours évidemment la lutte contre l'Iran, la lutte contre la prolifération nucléaire, le développement du programme nucléaire iranien, et donc il y a Israël a consacré beaucoup de moyens sur la lutte contre le programme chimique syrien, et dans ces deux cas-là, vous voyez que des opérations se montent des fois 8 ans, 10 ans. Avant que. Oui. Vous citez d'ailleurs dans votre livre l'affaire de ce Syrien qui a été retourné à Paris, qui travaillait, enfin qui avait des renseignements sur les armes chimiques. Ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-il devenu après tout ce qui lui est arrivé ? Alors,
Alors, le ça a aussi une opération de longue haleine. Alors ça, c'est une opération de très longue haleine qui est intéressante parce que la France a été, à un moment donné, est rentrée dans la partie, a été sollicitée par les Israéliens pour participer à cette opération-là. Et en quelques mots, donc ce personnage-là était un personnage clé du programme chimique, d'armement chimique syrien, Bachar el-Assad. Il occupait notamment une place importante sur la direction des achats. Donc, dites-moi ce que vous voulez acheter, je vous dirai ce que vous voulez faire ensuite de ces produits. Et donc, le contact a été pris par des agents israéliens à Damas, donc par des gens qui étaient déjà implantés depuis fort longtemps. Et ils ont réussi à convaincre cet homme-là, ce personnage, que un meilleur avenir l'attendait, et notamment qu'il devait penser à lui et poursuivre un propre cursus pour monter sa propre entreprise, s'affranchir de la tutelle de l'État syrien, etc. Bon, faire du business et faire de l'argent, devenir riche. Et l'opération marche si bien qu'en effet, il vient en France, rentre dans une... débute un cursus, une formation dans un... une espèce de MBA français. Et c'est à l'occasion de ses séjours en France, en effet, qu'avec avec l'aide des services intérieurs français, ils vont retourner ce personnage et en faire une source qui sera après contrainte. Alors, ça permettra à la France, c'est important de cette histoire, parce que ce n'est pas simplement le récit d'un retournement d'un agent. Parce que dès 2010-2011, au printemps 2011, alors que ne fait que débuter la guerre civile syrienne, les services israéliens, français, américains, britanniques ont une idée assez précise de l'état du stock des armes chimiques, ce que Bachar el-Assad veut faire de son programme chimique, et notamment son utilisation contre sa population civile, notamment au moment où elle commence à se soulever. Et ces éléments-là, finalement, la France, par exemple, ou les États-Unis auraient pu en faire un sujet, auraient pu amener ce sujet-là sur la scène internationale en disant... Oui. C'est ça, il y a un problème, il y a une violation en matière d'armes chimiques et de développement de programmes. C'est une atteinte gravissime aux droits de l'homme, surtout quand on veut utiliser ces moyens chimiques contre sa population. Dans ce cas-là, ça pourrait être un sujet. Or, ça ne le sera pas. Il y aura des sanctions, il y aura un certain nombre de sociétés qui seront inscrites sur la liste noire, notamment à Bruxelles. Mais on ne saura finalement tout cela que 3 ans plus tard, au moment où… Obama a renoncé à la frappe. C'est ça, Barack Obama et François Hollande, à un moment donné, avaient conjointement décidé de frapper la Syrie. Barack Obama, au dernier moment, se retire. Et François Hollande, pour justifier justement ce projet guerrier, rend public finalement des données qui étaient connues 3 ans auparavant et en disant voilà pourquoi je voulais frapper le régime syrien. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait 3 ans plus tôt? Et en révélant cette histoire, si vous voulez, cette affaire, c'est aussi un moyen de poser cette question-là. Alors qu'est-il advenu de cette personne? En fait, aujourd'hui, on ne le sait pas. On ne le sait pas, puisque en revanche, ce qu'on a appris, c'est qu'Israël disposait de plusieurs personnes dans l'appareil syrien, et notamment qui travaillaient au sein du programme armes chimiques. Ce qui était sûr, en tout cas selon mon enquête, c'était que plus de 2 ans après la publication de mon article, il était toujours en poste. Il y a d'autres histoires aussi très intéressantes que je recommande à nos auditeurs de lire. Pour parler en général, ne pas rentrer dans le détail, puisque ça, c'est pour ça que vous avez sorti un livre, pour qu'on le lise, et pas pour que nous dévoilions ici tout ça, c'est qu'est-ce qui fait un bon espion aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence entre l'espion à la Philby ou l'espion à la James Bond ou l'espion d'aujourd'hui? Alors, c'est vrai que si j'ai voulu, moi, rappeler finalement à la fois l'importance du renseignement humain et donc de l'espion à l'ancienne, c'est que les gens comme John le Carré, qui vient juste de décéder, ou Graham Greene, donc ces écrivains, mais qui étaient d'anciens espions, ils ont beaucoup écrit sur ce qu'on appelle le facteur humain. Et moi, je suis persuadé que le facteur humain, aujourd'hui, reste un élément essentiel, finalement, de l'espion. C'est cette capacité, c'est l'art de la manipulation, c'est l'art aussi de l'analyse.
C'est l'intuition, c'est la capacité de se mouvoir dans des milieux très différents. Et j'ai encore la faiblesse de croire que ce qui fait un très bon espion, c'est justement, c'est surtout un très bon instinct et en même temps une très forte structuration interne. Oui, parce qu'il faut beaucoup de courage pour être, par exemple, espion israélien en Syrie ou. Ouais. Je pense que ce qui fait un bon espion, c'est aussi. Alors, c'est difficile de dire quand on ne l'est pas soi-même, mais j'ai juste envie de dire que je pense que ce qui fait un bon espion aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'appuie sur l'humain, peut-être davantage que sur la technique, ou en tout cas qui s'appuie sur la technique, qui est aujourd'hui incontournable. Mais qui sait justement la mettre avant tout au service de l'humain et des capacités humaines à sentir et à traquer une information. Oui, donc vous aussi, vous êtes une sorte d'espion puisque vous avez réussi à connaître de certains secrets que d'autres n'ont pas connus. Vous avez de bonnes relations avec certains services de renseignement. Oui, alors les services de renseignement me voient plutôt comme un danger parce que je viens traquer ou dévoiler. Ce que eux aimeraient finalement garder secret. Je ne partage pas la même conception du secret. Je ne sers pas le même maître, j'ai envie de dire. Les espions servent avant tout les États. Les États défendent des intérêts propres, à la fois l'intérêt général, mais aussi des intérêts qui ne relèvent pas forcément, selon moi, simplement de l'intérêt général. Ça peut être des intérêts politiques, des intérêts économiques. Je travaille pour la démocratie, je travaille pour le débat public. Et je pense qu'il y a une bonne partie des choses qui aujourd'hui sont tenues secrètes. Je ne dis pas tout, bien entendu. Les opérations, les agences aux couvertures, tout ça doit évidemment être protégé, parce que c'est des vies humaines qui sont en jeu. En revanche, je pense qu'il y a un grand nombre il y a toute une partie aussi des choses qui sont aujourd'hui classées très secret défense, ou qui sont tout à fait en dehors du champ du débat public, qui devraient relever du débat public. Puisque je trouve que la démocratie est encore tenue dans un état de trop grande infantilisation sur ces questions-là, de déresponsabilisation. Et je pense que les individus devraient être beaucoup plus partie prenante sur la connaissance de la menace et surtout la façon d'y répondre. Et je pense que plus les gens sont conscients du monde dans lequel ils vivent, notamment sur le terrain de la sécurité, et plus, à la fois à titre individuel, on est moins soumis à la sidération quand l'attaque arrive. Et je pense qu'on est plus efficace pour y répondre quand on est soi-même déjà conscient, on ne surréagit pas, on ne va pas modifier son état de droit, on ne va pas, si vous voulez, tout d'un coup céder à la panique, si on est déjà conscient du monde dans lequel on vit. Les démocraties ne sont pas des états faibles, du tout. Les démocraties sont des états forts, beaucoup plus fortes intermédiaires que les dictatures. La seule différence, c'est une dictature s'appuie sur ses services de sécurité pour retarder le moment de sa chute, selon moi. Alors qu'une démocratie, elle regarde les choses en face. C'est comme un édredon. Si vous voulez, c'est que la démocratie, en effet, alors l'attaque survient, ça s'enfonce, et ensuite l'édredon reprend sa forme. Cette image n'est pas de moi, elle est d'un des piliers de la sécurité intérieure en France. Et j'ai trouvé cette image très juste et rassurante. Mais la perception des menaces, c'est effectivement quelque chose de difficile, surtout dans une démocratie, parce que dire, jusqu'où aller pour ne pas créer la panique ou des inquiétudes injustifiées, c'est ça. Vous avez raison, il ne faut pas non plus artificiellement toujours utiliser, souvent d'ailleurs à des fins qui ne sont pas toujours très, très, très honnêtes, le spectre de la peur, de la menace imminente. En revanche, je pense qu'il est important de conserver à l'esprit que le risque zéro n'existe pas. Certes, on vit dans des sociétés qui ne connaissent plus la guerre depuis un certain nombre d'années, mais le simple fait d'appartenir au Conseil de sécurité, là je parle de la France, du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est déjà créer une forme de menace en soi, parce qu'on est défenseur d'une certaine organisation du monde, on défend un certain nombre de valeurs. Il y a des gens qui n'apprécient pas ça, qui veulent aussi dire cet ordre-là ne nous convient pas et qui peuvent vouloir lutter contre cela.
La démocratie, c'est aussi affirmer un certain nombre de... voilà. Par exemple, quand la France intervient en 2013, au Mali, quand vous avez toute une colonne de pick-up de djihadistes qui descendent sur Bamako. Pourquoi est-ce que la France le fait au nom de quoi? Elle le fait au nom d'une forme de responsabilité sur la scène internationale. Elle, en gros, comme les États-Unis à certains égards, elle se comporte comme un peu un gendarme du monde. Est-ce que c'est justifié? On va dire que oui, pour un certain nombre de valeurs, de ce que c'est un pays, de ce que c'est des frontières, de ce que c'est le droit international. Mais c'est clair que ça va, notamment, là c'est très concret, ça va susciter des réactions. Donc ça va créer du risque en contrepartie. Et conserver ça à l'esprit, c'est important. C'est même crucial, selon moi. Et je ne dis pas qu'il faut en permanence brandir le danger du terrorisme en disant que... Non. Mais en fait, les espions sont donc, c'est la conclusion de cette émission, je vous remercie d'y avoir participé, les espions sont nécessaires. Absolument. Les espions sont des acteurs et notre société. Et je pense qu'il faut normaliser, voyez, l'image de l'espion, comme il faut normaliser le renseignement. Il faut qu'on s'approprie ces univers-là. Et notamment, on peut le faire en lisant ce livre. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci donc à vous. Je le répète. Et je recommande sincèrement la lecture de votre ouvrage, La guerre secrète des espions.